c'est aussi la rentrée pour des millions de collégiens, de lycéens, d'enfants tout court. Oui, c'est la rentrée, hein, c'est la rentrée. Ils ont tous leur petit art. Attends, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, Meg? T'es bien peignée, celle-là. Mais ouais, mais c'est moi. Non, vous êtes très bien peignée, vous. Regarde, cette salle de classe reconstituée. Le tableau. Enfin voilà, vous avez tous les accessoires d'une. On va pouvoir accrocher. D'autres ces, choses. Ces affiches pédagogiques. Enfin, à vous ? Oui. Dans le... Il y a un marché. Il y a des collectionneurs de jouets, des collectionneurs de jouets anciens. Là, même un petit garçon, je suis sûre, ça peut les amuser. Ça va être super. Et donc, vous êtes d'accord pour aller en salle des ventes ? Ah, ouais, tout à fait. Eh bien, je souhaite une belle affaire conclue. Ah bon, l'école primaire ? Voilà, c'est ça. Et vous étiez où à l'école quand vous étiez venu vendre aujourd'hui ? Qu'il s'agissait d'une salière et d'une poivrière. Que là, c'est pour de la bonne poudre. Question. Hein ? Vous êtes nouvellement brocanteur. Petite innovation, et je vois que vous êtes en train de lire. Oui, j'adore, parce que j'ai texte. Vu un peu, c'est ça, passionnément. Donc, le beaucoup doit être quelque le part. Le beaucoup est par là. Il est là. Et voilà, des petites fleurs. Alors, salière, c'est quand même difficile. Vous êtes prêt à aller en salle des ventes ? On y va. Exceptionnel. Écoutez bien, un chèque de 15 000 euros net d'impôts versé sur votre compte en banque d'ici le mois prochain. Mais pour cela, il faut répondre à la question suivante. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Mes préférés et mes chouchous. Voilà.